C'est aux États-Unis que les routiers eurent les premiers l'idée géniale d'utiliser du matériel militaire déclassé pour communiquer. Les premières liaisons à chef libre entre particuliers venaient de voir le jour. La CB était née. Son utilisation fut officialisée dans les années 1960. C'est en 1982 que les travaux de la Commission nationale de concertation CIBI permirent d'aboutir à la norme NFC 92-412 qui comprend trois types de liaisons à chef. La modulation d'amplitude, la modulation de fréquence et la bande latérale unique, BLU. À l'écoute d'un canal d'appel, le 19 ou le 27, le routier peut établir un contact avec un autre usager de la route. Après un QRX, passage sur un autre canal libre, ils peuvent continuer leur discussion en toute convivialité. Je crois qu'il y a un bon gastro là, pas trop mal, et on imagine pas trop mal, il faut pas trop cher, ça devrait faire. Hein. Ok, pas de problème, je te rappelle avec que j'arrive. Allez, ok, alors. T'as la Bergès là, option 31 qui redescend là. À Fernand. Tellement distrayante mais aussi pratique et utile, la Citizen Band est rapidement devenue un moyen de communication universel. Ouais, tu me reçois là ? Ouais, je te reçois impeccable. Ouais, je viens de trouver une station de service désaffectée là, je vais faire un demi-tour et je te rejoins là, je devrais te rattraper dans un peu de temps. Ok, ok, pas de problème, moi je continue là, je vais pas tarder à arriver. Ok, d'accord, pas de problème. La bande fréquence attribuée va de 26,960 MHz à 27,410 MHz sur 40 canaux pré-réglés avec une puissance autorisée de 4 watts en crête. En 1994, la CIBI est inscrite définitivement à l'Union internationale des télécommunications qui régit le spectre des fréquences dans le monde. CIBI est un moyen interactif immédiat de libre communication qui symbolise le mieux une des vertus essentielles de notre temps, la liberté. Rapidement, la CIBI va sortir du domaine réservé des routiers. Accessible à tous, mobile, fixe ou portable, la CIBI va alors devenir un des moyens les plus fantastiques d'expression et de communication. Attention, le moteur d'évasion qui te lance l'appel. Attention, le moteur d'évasion qui te lance l'appel. Évasion, c'est le moteur, je te copie.
Les canaux 19 et 27 sont réservés à l'appel général qui s'adresse à tous les amateurs. Le canal 9 aux opérations d'entraide et d'assistance. Une fois le contact établi, il est nécessaire de passer sur un autre canal commun, le canal de dégagement. Bonjour l'évasion, je me trouve actuellement à 20 km de Périac-de-Mer. Est-ce que tu peux me donner ton QTH? Je suis sorti de l'autoroute et je me dirige vers Périac-de-Mer. À toi. As-tu des nouvelles des autres? Non, aucune. Mais je retourne sur le 19 et je prends contact avec eux. Attention l'UMM ou le land de l'évasion. Attention l'UMM ou le land de l'évasion. C'est l'UMM, je te copie le retour à toi l'évasion. La CIBI est un moyen de communication ludique et libre. Elle permet des contacts parfois radio, notamment de convivialité, sans cependant assurer la confidentialité. Attention, l'évasion du land, je te copie. Par contre, par nécessité attention, réglementaire ou tout simplement pour le bon respect de la déontologie, il sera nécessaire de ne jamais modifier les caractéristiques de son poste, en particulier utiliser un amplificateur, de ne pas utiliser une station à bord d'un aéronef, de ne pas attention, émettre près des relais de télévision dans un port ou aux environs d'aéroports, de ne pas émettre à partir d'un train, de proscrire une utilisation commerciale de la CIBI et notamment émettre des messages publicitaires. Ces conditions remplies, c'est dans un langage clair et compréhensible par tous qu'il est possible de se livrer aux joies de la CIBI. Bonjour à toi le motard, c'est lui-même qui te rejoint à tout à l'heure à Péral. Les bons chiffres du LAN, on se retrouve comme convenu, à tout de suite. On roule sur Périac et on se retrouve sur la place comme convenu, ok? Salut. L'utilisation de la CIBI est entièrement libre. L'acquisition d'une CIBI portable, mobile ou fixe n'engendre aucune taxe. Aucune formalité administrative n'est nécessaire. La CIBI est autorisée de plein droit sous forme d'une licence générale. La seule obligation pour le CIBiste est de s'assurer que le poste comporte une plaque d'homologation et donc qu'il est conforme aux prescriptions techniques. Une station CIBI comporte un microphone, un émetteur-récepteur alimenté par une batterie de 12 à 13,8 volts et une antenne à laquelle peut se rajouter un tosmètre. La station peut être pédestre, mobile ou fixe. En configuration d'émission, le microphone transforme les variations de la pression de l'air produite par la voix en courant alternatif faible. Ce courant est amplifié et modulé par un autre courant haute fréquence dans le TX pour obtenir un signal de fréquence CIBI autour de 27 MHz. En réception, le trajet est inverse. L'onde est transformée en courant faible qui est démodulé dans le TX. Le courant audio basse fréquence active la bobine du haut-parleur qui le transforme en variation de pression de l'air. C'est le son. L'installation d'une station dans un véhicule est très simple et accessible à tous. La face arrière d'un émetteur-récepteur comporte une fiche antenne et un câble d'alimentation 12 volts avec un fusible sur le fil plus. Ce fil se branche directement sur la borne plus de la batterie du véhicule. L'émetteur-récepteur est un élément fondamental de la station. Le message vocal peut être transmis par trois modes différents, la FM, la M et la BLU. La modulation de fréquence est la moins performante. Elle est trop peu utilisée en France. Cependant, à courte distance, la qualité sonore est meilleure en FM. Les postes modulation d'amplitude, très peu onéreux, permettent de débuter dans la CIBI. Avec l'AM, les contacts sont assurés. Un poste AM-FM est d'un grand confort dans la pratique et reste bon marché. La modulation BLU reste incontestablement la plus performante. Elle permet des liaisons grande distance. L'idéal est le poste AM, FM, BLU que l'on garde
toute sa vie. Pour communiquer, il faut être sur le même mode de modulation. C'est un câble coaxial à deux conducteurs qui achemine vers l'antenne le courant 27 MHz produit par le TX. La longueur du coaxial ne doit pas être choisie au hasard. Pour les installations fixes, il doit être le plus court possible. Il ne doit pas pendre dans l'espace. Dans une voiture, ce câble s'encastre très facilement. Une antenne peut être montée sur base magnétique, mais le montage le plus classique reste le perçage avec fixation sur le toit ou le coffre. La longueur d'une antenne est liée à la longueur d'onde du signal qu'elle émet pour la CB, 11 mètres. Sur les grandes antennes extérieures, on utilise des radians situés dans le plan de sol. Ils permettent de réduire la taille de l'antenne. Pour les installations mobiles, on devine aisément les inconvénients d'une telle longueur. Les constructeurs, grâce à l'utilisation de bobines self ou de disques capacitifs, ont réduit la taille des antennes, mais malgré tout au détriment du rendement. Il n'y a pas de miracle. Une antenne de 1,58 m aura toujours un meilleur rendement qu'une antenne de 75 cm. Pour une efficacité maximum, une antenne aérienne mobile devra être placée au centre du véhicule. Les positions sur l'aile et sur la gouttière donnent un rayonnement moins uniforme et sont moins performantes. La mesure du taux d'onde stationnaire, TOS, se fait en mode FM ou AM. Il est absolument nécessaire d'adapter la puissance utile sortant de l'appareil à la puissance rayonnée par l'antenne. Ceci se fait à l'aide d'un tosmètre qui mesure cette partie de la station. Si le tos est trop fort, il y a risque de surchauffe des étages de sortie de l'émetteur-récepteur et même de destruction. Sur la face avant du poste se trouve le volume audio, le squelch qui coupe le souffle en réception, ainsi que le sélecteur de canal et son afficheur. Une pédale PTT se situe sur le côté du microphone pour passer de l'émission à la réception. Un vu-mètre mesure en émission la puissance relative de l'émetteur et indique le niveau du signal reçu en réception. Je te reçois avec un signal de 5 et une radio de 7. La CB est avant tout un moyen de communication ludique, mais il peut également s'avérer très utile en cas de panne ou d'encombrement sur les routes. Attention, les stations bouchons de 5 km sur le grand ruban à 9 au niveau de Perpignan Nord, dû à un accident. Attention à la station de l'accident là, est-ce que tu peux faire un QSY sur le 22 s'il te plaît? Ok, la station, c'est parti. Bon, voilà, j'arrive à la sortie Rivesalt, là. Je dois passer à Perpignan rapidement. Je n'ai pas envie de traverser le centre-ville. Est-ce que tu aurais un raccourci pour éviter ce bouchon, s'il te plaît? Pas de problème, la station. Il faut que tu sortes à Rivesalt, direction Peyrestort, Baïchard. Ah, ok, merci. Donc, je sors sortie Rivesalt et si j'ai un problème, je te rappelle après. Merci. La solidarité n'est pas un vain mot dans le monde des cibistes. Il entraide et souvent au rendez-vous sur les ondes HF autour des 27 MHz. Attention à la station, là. J'arrive à l'entrée de Perrotorte, là. Est-ce que tu peux m'indiquer la route maintenant? Ok, pas de problème à la station. Tu traverses Perrotorte, tu prends la D5 direction Saint-Estève. Ah ok, merci, je vois, ouais, c'est bon. Allez, ciao. Je vois le panneau, hein. Je te remercie pour tout ça, comme ça je ne serai pas en retard à mon rendez-vous et la bonne roulade à toi et surtout la prudence. Hein. Merci à toi la station, je reprends la route et te souhaite de bons chiffres.
Le canal 19 est plus spécialement destiné à l'appel d'un usager de la route. Lorsqu'on trafique, il est nécessaire de se mettre à l'écoute du canal 27 ou 19 et avant de faire l'appel, de faire un tour d'écoute sur les autres canaux afin de repérer les canaux inoccupés. La CIBI a ses codes et son langage. En matière de communication, il n'est pas toujours facile de s'exprimer dans la langue du correspondant, d'où l'utilité des codes et abréviations. Un des principaux étant le code Q. Il est relativement facile d'acquérir la maîtrise de ce langage cibiste. Station, vous avez le bon de l'image de 269 direction le boulot. Merci de la station, la parole, c'est Yvon, le bon roule à la forêt. Ok, pareil, va tout retourner. Oui, ici Andromède. Ok Andromède, je suis très très content de t'entendre. Tu es la première station là, que je reçois depuis plus de 48 heures que nous avons quitté le sud de l'Espagne. On a navigué là pendant toute la nuit et puis on arrive là sur les côtes françaises. Andromède de Nautilus à bord du voilier Eurydice, où c'est que tu te trouves? Si tu peux me donner ton QTH, l'endroit où tu te trouves? Oui, ici Andromède à Nautilus. Nous sommes avant les Pyrénées. Nous allons traverser la frontière ce soir pour aller en Espagne et direction l'Andalousie. Eh bien, pour nous, superbe croisière également. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si on peut trouver de l'eau et puis peut-être des épiceries ou un boulanger, enfin de quoi faire quelques provisions. Tu crois que c'est possible, Andromède? Oui, oui, c'est très possible ici. Il y a un petit village typique, là, en bordure de mer. Et... Ben écoute, je te souhaite la bonne route. Les Super 73 et les 88 à ton YL. À bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Que ce soit en France ou à l'étranger, quel que soit votre moyen de locomotion, vous pouvez voyager en toute liberté avec votre CIBI. Attention les stations, s'il vous plaît, pour un radio-guidage. Ok, la station là, pour le radio-guidage, je te copie. Tu peux monter de 7 kilos, s'il te plaît. Pas de problème, c'est parti. Tu es là? Oui, je suis là. Bon, écoute, je voudrais savoir une petite chose là. Nous partons en vacances en Espagne, j'arrive sur... Les pays membres de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ont adopté une norme européenne de la CIBI qui permet aux appareils FM agréés en France de circuler librement. Pour les postes AM, BLU, agréés par la norme française, une carte de libre circulation est mise à la disposition des particuliers. Peut-être qu'on va se croiser sur la route. Bah oui, les bons chiffres. Ok, moi aussi je t'envoie les bons chiffres et plus tard sur un module si possible. Allez, bah oui. Savoir grâce à un QSO où l'on va dormir le soir même est sécurisant et bien commode. Que l'on soit seul ou entre copains en France ou à l'étranger, le jour ou la nuit, la CIBI permet de ne plus se sentir isolé dans son véhicule. On entre avec elle dans un grand réseau d'entraide et de cordialité. La CIBI, c'est aussi une histoire d'amitié entre les hommes et les femmes au travers des ondes. Les postes CIBI portables sont devenus extrêmement performants. Ils vous apporteront, quel que soit votre moyen de locomotion, excepté l'avion bien sûr, autant de satisfaction que les autres.
La CIBI, c'est aussi la sécurité en cas de moindre problème. Son utilisation en montagne le symbolise à merveille. Tiens, des 4x4. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un montard avec eux. Mmh. On dirait qu'ils ont la CIBI. Mmh. Attention, attention, les 4x4 suivis de la moto, est-ce que quelqu'un copie? Ah ouais, attention, je te copie, c'est Évasion. Tu es CY14. Ok, c'est parti. Ouais, bonjour l'Évasion, mon QRZ c'est le randonneur, là je suis avec un groupe d'amis, on fait une petite balade randonnée pour essayer de faire un décollage parapente. Nous on continue, de toute façon on vous rejoint là-haut, on reste sur le canal et si jamais vous vous perdez, bah on est là de toute façon. Hein. Bon, apparemment il n'y aura pas trop de problèmes, hein, mais sait-on jamais. De toute façon, on vient vous souffler dans les voiles au décollage et admirer un petit peu votre vol. Ok, ben, c'est bien reçu, donc parfait pour le visu, hein, puis la bonne balade. Hein. Ok, à plus. Que vous soyez bloqué dans un passage difficile, ou même en panne, un appel sur la CIBI vous sort aisément du mauvais pas. Génial, ouais. Je trouve ça hyper chouette. Avec la CIBI, vous aborderez tôt ou tard la radiocommunication longue distance, le DX. Cette école de l'amitié, de la solidarité, mais aussi de la patience, vous permettra de franchir les océans. Attention à la fréquence, appel DX, appel 11 mètres. Pour 14, India Fox 1115 qui appelle. Et propose QSY fréquence 27 485. Je codifie 2 de 2e, 7 de 7e séparation, 4 de 4e, 8 de 8e, 5 de 5e. C'est parti pour moi. Les ondes électromagnétiques ne connaissent pas de frontières. Et un jour peut-être, vous entendrez une voix étrangère venue de si loin qu'elle vous paraîtra presque irréelle. Symbole d'humanisme et de liberté, la CIBI vous aura permis tout simplement d'établir le contact par-delà la distance.